Quevilly 6e face à Sochaux 2e. Depuis la reprise fin décembre, QRM a pris 16 points en 8 rencontres. Aucune équipe n'a fait mieux sur la période. Avec ce parcours, les hommes d'Olivier Chouafny sont tout d'abord éloignés de la zone rouge au point maintenant de pouvoir éventuellement prétendre à la montée. L'adversaire du soir, Sochaux, est 6 points devant. Pour les Lyonceaux, après un léger passage à vide avec 3 défaites consécutives il y a un peu moins d'un mois, cela va beaucoup mieux avec 3 victoires de rang et un dernier nul chez le leader Avray. Première opportunité pour Mafuta qui bute sur Maxence Prévost. Prévost qui aura par la suite un peu de réussite sur cette tête de Til Sissoko. Ça va terminer sur le sommet de la barre transversale. Sochaux va essayer de réagir avec une opportunité pour Ibrahim Sissoko qui bute sur Nicolas Lemaître. Auteur de 27 parades depuis la reprise, seul Mathieu Michel, le gardien Nurtef, est mieux avec 33 interventions. 0 à 0, c'est le score à la pause. QRM reste sur 2 victoires consécutives sans prendre de but. Succès 2 à 0 contre Guingamp et 1 à 0 face à Bastia. Les hommes d'Olivier Chouafny repartent de plus belle en début de deuxième période avec Louis Mafuta. Et le meilleur buteur de QRM, le centrafricain, et ses 8 réalisations croisent trop sa tentative du pied gauche. Opportunité en réponse pour Ibrahim Sissoko. 10 réalisations pour le Malien, l'ancien attaquant des Chamois Niortais qui monte plus haut que Ben Youssef. Mais ça manque de puissance pour inquiéter davantage Nicolas Lemaître. Et en fin de partie, il y a eu des contacts âpres et rudes entre Ben Youssef et Ibrahim Sissoko. La réaction épidermique d'Ibrahim Sissoko qui est exclu par M. Ben Chaban. Au match aller, ça avait été déjà tendu avec Sissoko qui avait égalisé à 2 buts partout à la 95e minute. Là, il y aura match nul aussi. Mais pas de but, il n'aura manqué que les buts dans cette partie relativement alerte. Les Lyonceaux, avec ce nul, quittent la deuxième place au profit de Bordeaux, vainqueur lors de cette journée.